Ils sont moins touchés, mais les pays de l'Est prennent des mesures drastiques contre le coronavirus. En Roumanie, le nombre de personnes infectées s'élève à 49. La Roumanie a déconseillé à ses ressortissants travaillant en Italie, environ 1 million de personnes, de rentrer pour les fêtes de Pâques. La République tchèque met en place l'état d'urgence. 94 personnes sont infectées dans toutes les régions du pays. Les cours sont suspendus dans les écoles depuis mercredi et les rassemblements publics de plus de 100 personnes sont interdits. C'est l'une des mesures les plus drastiques prises par un pays en la matière. En Slovaquie, le gouvernement annonce également l'état d'urgence avec 10 cas de contamination. La Slovaquie interdit l'entrée à tous les étrangers à partir de vendredi matin, sauf aux Polonais. La Pologne, qui a enregistré sa première victime du coronavirus, une enseignante de 57 ans qui souffrait de problèmes respiratoires. Toutes les écoles et universités y sont fermées jusqu'au 25 mars. Les contrôles médicaux ont été renforcés aux frontières et dans les ports de la mer Baltique. En Ukraine, enfin, où il n'y a qu'un seul malade déclaré, le gouvernement annonce une quarantaine nationale jusqu'au 3 avril et Kiev va suspendre les liaisons aériennes directes avec l'Italie, qui compte une importante diaspora ukrainienne.